qui a motivé ma demande de formation continue, c'était essentiellement de prendre un temps pour consolider un peu mes connaissances théoriques, puisque j'avais évolué professionnellement au travers différents postes, mais sans jamais prendre le temps de me former. La formation, ça permet de changer de regard aussi sur l'exercice professionnel, donc c'est un aller-retour qui m'intéressait assez. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans l'accompagnement qui a été proposé dans le cadre du DI, c'est à la fois on ne nous confortait pas, on nous renvoyait du cadre, mais toujours avec une bienveillance. Ça s'adapte en fonction de là où on en est à un moment donné. On nous lance des orientations, mais ce n'est pas trop enfermant. On nous laisse pouvoir proposer un point de vue qui puisse être un peu décalé. Le bilan que j'en fais un peu avant la fin, puisque je n'ai pas encore tout à fait terminé, c'est que j'y ai trouvé d'une part ce que j'étais venu y chercher, c'est-à-dire un certain nombre d'apports sociologiques, théoriques, surtout sur la première année. Ensuite, j'y ai trouvé d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Ce que disaient nos formateurs souvent, c'est que ça va nous amener à faire un pas de côté. Effectivement, la formation, ça nous change. Ça change notre regard sur le monde, mais aussi sur notre exercice professionnel. Une qualité de l'accompagnement, une simplicité des contacts, du lien et à la fois une vérité dans le lien. Donc voilà, surtout pour la qualité de l'enseignement et de l'accompagnement.